Allez, boys, come on! C'est fini. Come on! Et la faute! Je pense qu'en première mi-temps, on a trouvé l'espace, on a réussi à construire, à les faire courir un peu. Donc, on s'est créé des occasions. Et en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué parce que l'entraîneur, le coach adverse, s'est adapté à essayer de trouver nos points faibles dans la relance. Et on a eu un peu de mal dans le pressing. Donc en deuxième mi-temps, on a souffert parce que c'était un peu plus compliqué. Mais bon, il y a des matchs comme ça, il faudra souffrir avec le caractère parce qu'on avait une bonne opposition, une équipe qui essaye de jouer, qui essaye de trouver l'homme libre. Mais après la victoire, je pense qu'au vu du match, on mérite de gagner. Mais on doit aussi travailler la reconversion parce qu'on avait beaucoup de déchets techniques. Mais en deuxième mi-temps, je répète, on a souffert avec cette équipe qui mérite d'être mieux classée que ça. Aujourd'hui, si on n'avait pas cette concentration-là, si on n'avait pas les bonnes positions, on serait dans la difficulté. Parce qu'à un moment, ils sont passés à deux attaquants devant avec Dunké et Hugbo. Et c'est des joueurs puissants qui font beaucoup d'efforts. Il fallait obliger Nicolas Raskin à venir défendre comme troisième défenseur. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, on doit apprendre les choses qu'on a fait bien et les mauvaises choses, la transition et toutes ces choses-là, il faut les améliorer. Mais je répète, dans la situation que le standard aujourd'hui, il faut prendre les points et après, on ira dans l'esthétique plus tard. Mais la première de close, c'est toujours difficile des matchs comme ça où vous rentrez et que le combat physique est beaucoup plus important que les qualités techniques. Donc, en ayant joué au foot, je sais que pour un attaquant, c'est jamais facile. Quand vous rentrez dans un match où vous êtes un peu dominé et que vous devez défendre, vous devez faire beaucoup de courses, pour moi, c'était important que quand on a le ballon, il arrive à le gagner, à le garder et faire des déviations de la tête, ce qui permettait à Tapsoba, avec sa vitesse, d'apporter quelque chose de la fraîcheur. Il a répondu à l'attente que j'avais quand il est rentré. Et c'est la même chose pour Damian, parce que c'est pas facile quand vous êtes jeune et que vous rentrez dans une dynamique où l'équipe doit souffrir. Donc dans l'ensemble, pour moi, c'était très bien. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est les qualités tactiques de Nicolas Raskin, parce qu'à un moment que c'est compliqué, Il a su voir où elle était la différence, les faiblesses pour devenir dans la défense, retrouver. Et ça, c'est très agréable à voir pour un joueur de son âge. Et toi, tu vois ?